En pleine trêve pascale, l'armée révolutionnaire va pratiquer la terre brûlée. Pour l'exemple, le premier village rebelle, La Barre, dans les Mauges, est livré aux flammes et ses habitants au feu des pelotons. Sur la route de l'invasion, le pays sera mis à feu et à sang, village et château confondus. Du domaine de Bonchamp, la Baronnière, désertée par ses habitants, il ne restera bientôt plus qu'une tour symbolique. Très symbolique aussi, ces croix de carrefour qu'on enflamme et ces cloches qu'on ne peut faire taire et qui vont ressusciter une armée. L'armée des brigands s'est retrouvée face à l'armée de la Révolution. C'est le grand choc, comme disent les Vendéens. Dans ce bourg de Chemillet, où Delbé va tenter de mettre un frein au désir de vengeance après la victoire. Assassin ! Le général l'ordonne ! Non ! Je ne veux pas d'assassin pour soldat ! Justicier ! Nous sommes des justiciers, mon général ! Si nous ne les tuons pas, nous les retrouverons en face de nous ! Ainsi, nous ne serons jamais vainqueurs ! Dieu ne nous demande pas de vaincre, il nous commande de combattre ! Remercions-le aujourd'hui de nous avoir accordé la victoire. À genoux. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mes amis, tous, comme le Christ, vous pardonnerez. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Les prisonniers seront ainsi sauvés par le pater des Vendéens, comme on dit. Thank you.